Salut à tous, c'est Marcus. On se retrouve pour un nouvel épisode de SnowRunner. Dans le dernier épisode, on avait réparé le pont en bois, on avait amené des pièces de rechange ici à retirer l'éboulement, on avait retourné le bandit à cet endroit-là, on n'a toujours pas été le chercher. Faudra qu'on s'en occupe à un moment ou peut-être de décider de le récupérer. Bon, c'est un peu con de le récupérer. Après, j'ai pas, on n'a pas l'argent, on a pour avoir une grue pour le sortir de là, il est vraiment mal mis. À moins que je le refasse tomber en bas, je sais pas. En vrai, on va peut-être mettre un deuxième camion en l'air et devoir en récupérer deux si on va essayer de le sortir de là, en fait. Donc, je sais pas trop. Après, c'est dommage parce que le bandit, il est quand même utile. Je crois que je vais aller chercher l'amélioration là d'abord avec le canne. On va aller chercher cette amélioration-là, puis on va remonter, on va aller chercher cette amélioration-là. Il y a un moment, il faut aller les chercher, les améliorations. Enfin, on devrait bien aller chercher celle-là aussi. Ça, je suis sûr, c'est une qu'on aurait dû aller chercher au début qui nous aurait aidé à tous les coups. Du coup, vu qu'on fait ça, on va prendre le canne. Ça passe à peu près partout, hein. La conduite de ce machin est vraiment bizarre. C'est pas ce que vous en pensez si vous l'avez déjà essayé, mais c'est pas possible de rouler droit en fait. C'est impossible, il se met tout seul en travers, c'est pas que je tourne ou quoi, je passe mon temps juste à contrebraquer en fait. On va essayer de passer là. Oula, quand je vous dis qu'il fait des trucs chelous. SnowRunner disponible pour le camion actuel. Le Can, le Chevrolet CK1500. Ok, on a débloqué ça pour plusieurs. Bon, ça doit être des scouts à mon avis. Ok. Nickel. Ensuite, on a dit qu'on allait aller chercher l'eau, donc on revient sur nos pas. C'est là que je sais pas si on va pouvoir passer. Oh ben, le panneau. Personne s'en plaindra, il était là pour limiter la vitesse. Bon, la flotte était pas profonde. Ok, un moteur pour le Fleetstar et le GMC. Du coup, le Fleetstar, on a des suspensions tout terrain, un moteur. C'est pas mal, mais maintenant le jeu, il faut nous donner de l'argent qu'on puisse les acheter, ça. Mais je pense que ouais, il va falloir qu'on vende des camions, à mon avis. Après, j'ai pas trop envie de vendre ceux du DLC. Même si ça voudrait dire que ça ferait beaucoup de sous. Bon, ouais, là, on a un camion à récupérer encore. C'est peut-être un scout. Après ça, il faudra aller chercher un camion. Alors, ce que je vous propose dans cet épisode, on va faire un peu d'exploration. On va aller chercher la tour qui est là-bas. Si on peut revenir par là, on revient par là, on va chercher cette tour-là. Ensuite, on prendra le chemin là. Non, il sert à rien. Si on prendra ce chemin-là. Et on viendra chercher l'amélioration qui est ici ainsi que la tour qui est là aussi.
Et dans cet épisode, je pense qu'on va faire que ça. Et quand on est là, on verra bien. C'est parti pour une nouvelle route. C'est un pont, ça, là en bas. C'est un pont. Ça va, ici la route elle a l'air pour l'instant assez clean pour aller jusque la scierie, enfin le dépôt de tronc plutôt. J'ai cru que ça allait être la merde là en fait, mais non, pas du tout. C'est pour charger. Il n'y a pas l'air d'avoir de mission quelque part là ou quoi. On serait au coup. Non, on n'en a pas. Bon, ici pour les camions, ça va commencer à monter. Le truc, il va vraiment dans tous les sens. Ça. Déjà les camions, certains vont galérer ici, même si c'est pas boueux, ça monte fort. Avec de la cargaison, ça risque d'être un peu critique déjà. Après, on a de quoi s'accrocher. J'ai envie de dire ça va. Alors, factory. La tour, j'ai envie de croire qu'il faut venir de par là et pas de par là. Je vais suivre mon instinct, on va aller par là. On aurait peut-être pu couper, non, il vaut mieux pas. Ah, là, on a peut-être un truc qu'il faut prendre comme quête. Ah non, ça doit pas nous. Oh! Sérieusement, quoi. On a pris un sacré choc hein, dans le piquet là, il nous a retourné le bazar. L'idée de mettre des piquets là, dans le passage. Ah, là, il n'y a rien à réparer en fait, c'est juste la mouise. Donc on va remonter, on va prendre ce chemin là. Donc c'est ici qu'il faut tourner. Non mais reroule pas sur le panneau Marc. Oh là là, sérieusement. Exprès ou comment? Oh, le klaxon de merde m'y ferait jamais sur ce truc là. Oula, oula. Là, par contre, c'est un bel endroit de merde. Il faut pas venir avec les camions qu'on a pour l'instant ici. Ils monteront pas. On envoie un SOS aux extraterrestres. Seulement ça monte, mais il y a de la gadoue. Let's go! Une tour de plus. On va aller les chercher.
marché. Au moins elles sont prises, j'aurais pu retourner jusque là, à part pour amener la mission. Sinon il va quand même falloir y retourner, donc tant qu'on est tout prêt, ça, en fait on va faire le tour un maximum. Voilà, il y a une big remorque, à mon avis il va falloir l'amener à la chercher celle-là à un de ces moments. C'est pas là, c'est là-bas. Accepté. Renverser les barils Alpha Bravo Charlie Delta Echo. Mais là on traversera pas, il y a trop de flotte, on n'a pas de snorkel. C'est vrai que ça c'est un peu la merde. Donc en vrai, on va prendre le camion qui est là pour essayer d'aller voir ce qui se passe là-bas. Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, mais du coup, on t'abandonne là. On va prendre l'international. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre, c'est le James. Bon, on va y arriver. C'est le Caterpillar du coup. Let's go, on va déjà aller voir c'est quoi ça. Full exploration aujourd'hui, on n'a pas le choix. Une remorque de réparation là devant. Ah ok, ça commence bien. Et donc on allait aller voir par là ce qui se passe. Pas du tout en fait. Attendez, faut qu'on prenne un chemin qui va fonctionner. Alors on va traverser. Ne me dis pas que j'étais me peinturer un arbre, hein. Sérieux? Y a pas de chemin en fait par là. Donc du coup on va aller par là. Et bon, ça nous donne pas les missions tant qu'on n'a pas été voir la tour. C'est pour ça qu'il faut que j'aille voir les tours avant, parce que sinon c'est ça d'ailleurs, il faudra le faire dorénavant dans toutes les maps. Aller voir les tours directement dès que possible. S'il y a un pont à réparer, on fait le pont, mais s'il n'y en a pas, on passe. Voilà. Jusqu'ici ça va. Attends, elle est où la route là? C'est là devant? Jamais. L'eau est pas trop haute? Non, ça va. Il est haut celui-ci en vrai? Ouais, en vrai ça va. Enfin, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'eau aussi. Et du coup, merde. Et du coup, on est passé là. Ok, tranquille quoi. Quand c'est pas profond, ça va tout de suite plus facilement. Par contre, c'est gauche ou droite, ok. Du coup, ça va être gauche. Ça a l'air critique par ici.
Ah ouais, quand je dis ça sent la merde, ça sent la merde. En fait, nulle part on peut attacher le treuil. Ah. Voilà. C'est magnifique ça. Parfait comme technique. Sauf que... Voilà. On y arrivera peut-être un peu mieux comme ça. Là, j'ai vraiment cru qu'on allait rester coincé dedans. Ça roule plutôt pas mal là sur le côté gauche. Ils ont mis des arbres là où ça roule en fait. C'est la galère totale. Il y a une route ici, sérieusement. On a planté sec, ça sent pas bon. On les a vus, les arbres couchés. C'est nos meilleurs amis dans le jeu, ça. Heureusement, il est haut, il prend pas la flotte. Ah, quoique, bah, il faut que je dise ça pour que ça commence, mais ça y est, ça devrait le faire. L'avantage, c'est qu'on avance. On n'est pas bloqué. Ça prend du temps. Lentement, mais sûrement. Par contre, si tu pouvais, voilà, t'attacher à l'arbre là-bas, ça nous aiderait fortement. Si on pouvait aller à droite là. Attends, celui-là, on est en train de s'embourber, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. On passera pas là, il n'y a rien pour nous aider. Voilà, c'est celui-là qu'on voulait. On est quand même dans la merde, hein. On va pas se le cacher. Cet arbre-là, il nous sauve d'une de ses forces. Faut pas qu'il casse tout de suite. Faut qu'on puisse avancer. On n'a pas grand chose en fait pour se tirer de là. Genre l'arbre qui a cassé, ça m'a bloqué quoi. Oh oui, ça c'est parfait ça. Ça c'est parfait. Par contre, il faut qu'on aille à droite. Oh la merde, oh, je crois qu'il bougera pas. Hein. Dramatique ça, c'est dramatique. Il nous reste tellement peu à faire. Là on fait 50 cm et il sort. Ça rend fou. Là il bouge plus je crois. Hein. Bon, elle est juste là quoi. Genre on peut pas descendre à pied, aller la chercher quoi, ça rend fou. Hein. Je vous ai un peu avancé ce qui se passait là parce que laissez tomber, ça fait 25 minutes que je suis en train d'essayer d'avancer et on a avancé de 2 mètres et on peut toujours s'attacher à rien.
Donc du coup, je pense qu'on va l'abandonner là. Entrepôt de camion, on a lui. Customisation, moteur. On a eu un moteur. On va le mettre. On va vendre celui-là. Voilà. Suspension, on a eu des surélevés. On va les mettre. On va vendre les standards. Ce qui fait qu'on peut mettre la boîte de vitesse tout terrain. On progresse. Attendez, attendez. On va vendre l'équilibré du coup. Voilà. Bah, j'ai envie de vous dire, on va mettre ça. Même si c'est pas bon pour la boue, mais au moins ils sont plus grands. Ça devrait aider. Et il n'y en a plus de sous. Attends, mais on a ça qu'on peut activer. Et ça qu'on peut vendre. Bon, du coup, on devrait s'en sortir peut-être un peu mieux déjà avec celui-là, je pense. Voilà, du coup, on va aller chercher la tour. Enfin, si on arrive à aller jusque-là, j'espère que le chemin n'est pas trop merdique. On allume les phares, ça ne va pas nous aider du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Oula! Faire attention, c'est dès que les camions vont un peu plus vite, on se chante tout chaud, et c'est là qu'on fait n'importe quoi. Ouais, bah jette-toi dans la boue, t'as raison. On a l'air d'être passé là sans trop de problèmes en vrai. Je suis pas sûr que j'ai pris la route, non? Pas grave. Ouais, c'est de dinguerie le camion. Mais il avance. Et ça me plaît bien ça. Allez. Une tour de guet en plus. C'est bien, on voit le pont du début. On aurait dû voir ça depuis le début. En vrai. Après, je sais pas si ça nous a éclairé la map, mais ça nous a pas dévoilé grand chose. Ensuite, on va se diriger vers l'amélioration qui est là-bas. Voilà. Ici, il faut tourner à gauche. Let's go. On sent au point où on en est. Autant continuer. Sur les cailloux, ça glisse à mort. Faut vraiment faire attention. Il fallait tourner là. Et il y va. Il rebondit beaucoup. Hein. Suspension surélevée, c'est bien, mais on fait des bonds de 4 mètres. Oula, oula, oula. Ah, ça, c'est pas bien. Ça va pas. Ça, c'est pas bien. Oh, c'est chaud. Bon, faudra pas venir par ici avec des cargaisons, ça c'est sûr et certain. Après, je pense que
C'était plus prévu pour qu'on vienne en scout ici et pas autrement. Je crois que l'arbre là il nous a sauvé la vie. Tout va bien, on continue à monter. Enfin, ça monte sec, hein. Et il y va doucement mais sûrement, on fonce. On arrive. Tout ça pour une amélioration. Qu'est-ce qu'ils ont été mettre ça là-bas au bout de la map? Bonjour. J'ai pas eu le temps de voir. La suspension surélevée, mais j'ai pas eu le temps de voir pour quel véhicule. Non. On a eu de la chance sur ce coup-là, j'ai envie de dire. Je sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais... Non, non. Ah, si je lâche le truc, je suis foutu. Bah ben, voilà. Ah non, il redémarre. Voilà, chatte. Oh, les misères dans lesquelles on s'embarque dans le jeu. Je sais pas s'il y a moyen de s'en sortir là. Tout n'est peut-être pas perdu. On est passé de l'autre côté de cet arbre de merde. Il y en a de la chance de pouvoir remonter là. Tout va bien, on n'a rien vu. Ce sont les aléas du boulot. Faire un tonneau tranquille, le camion, il n'y a rien. Vous en faites pas. Il en a vu d'autres, il en verra encore d'autres. Oh, ben voilà, vous voyez. Aussi vite après, putain, il y avait un cratère là en fait. Ah ouais. Il passe. Oh. On peut savoir pourquoi ça m'a éjecté là-bas d'un coup. Ça passe ici au moins. Ça passe. Eh bien, on en a eu des surprises. C'est pas fini apparemment. Oh le fou malade. Ne montez pas en camion avec moi. Ça m'a l'air dangereux. Attendez, est-ce qu'on est où là? Ok, continue sur notre route. Il y a la tour là, n'empêche, on est juste à côté, quoi, j'en reviens pas. Du coup, on va continuer, parce que si on peut arriver par là, peut-être pour sauver le camion là-bas, on va essayer. On continue tout droit.
Bah, c'est sérieux ça? Ah, il n'était pas découvert avec la map encore vu qu'on n'avait pas la tour. Bah écoutez, on a trouvé une amélioration. On sera pas venu pour rien, on a bien fait de continuer tout droit. Donc le moteur meilleur apparemment pour le Chevrolet CK 1500. Ok. On prend. Ça fait toujours plaisir. À droite, hein, du coup. On ne sait pas, là, il va y avoir un passage entre les rochers, on dirait. Ça m'inspire pas très confiance. On va aller un peu tout petit là. Bon, on a le camion qui passe partout. Peut faire des tonneaux, il passe entre les ronds, les rochers, tout va bien. On avance. Bon, par contre, ça faut que j'arrête de faire. Heureusement, ça l'abîme pas à chaque fois. On m'a failli piquer tout droit dans l'eau. Donc, ça, on fait gauche, gauche-droite, ou droite-droite-gauche. Mais on va faire gauche-droite. On va venir par là, voilà. Okay. Ensuite, machin, bazar. Par là, je sais pas ce qu'il y a. On le saura si on va à la tour, en tout cas. On n'est plus très loin. Bon, on n'aura pas fait tout le chemin comme on le voulait, dans le sens qu'on le voulait avec les véhicules de base qu'on avait prévus. Mais on arrive à nos fins tout doucement. C'est à droite. On va se mettre comme ça parce que de toute façon on voit rien. C'est pareil ici, il n'y a toujours pas d'arbre. Et quand on peut pas reculer? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah si chaud. Enfin, j'avais pas vu que j'étais passé au neutre. Tout va bien. Alerte au gogol. Genre ici, tu vas me dire ça va passer comme ça? Dans ce sens-là, avec ce camion-là, c'est passé tranquille. Two finger in the noise. Qu'est-ce que c'est que ça? On en vient de là? Ah, c'est un comique, lui. On en vient de là. Bon, c'est pas un drame. Au moins on a vu qu'il y avait glissement de terrain là, la vidange aussi à aller chercher. On a débloqué un magasin de remorques, ça c'est pas mal. Pas mal du tout même. Du coup on aura pris. Attendez, je vérifie pour pas dire de bêtises, mais je pense qu'on a pris toutes les améliorations de la map. Attendez, on va essayer de ça, arrêter de suivre. Voilà, comme ça il nous saoule pas avec tout ce qu'il y a sur la map. Si, il nous saoule avec tout ce qu'il y a sur la map quand même. Ah là, il y a un glissement de terrain. Aussi, ok. La remorque est garée. Bon, on aura tout ça à aller chercher. Par contre, là, c'est un peu relou. Hein. Réparation des berges, tout ça, on est passé juste à côté et il faudra repasser. Bon, c'est pas grave, on n'est pas loin. Mais
C'est un peu relou de nous faire ça alors que l'amélioration elle a pop, alors qu'elle n'était pas sur la map, mais le reste n'a pas pop, donc c'est un peu con. Après peut-être que c'est dans le but du jeu de voilà, il faut faire les tours d'abord, mais c'est pour ça que si vous y jouez, que vous devez faire, pensez à faire les tours en premier au maximum, parce que si vous faites pas les tours, vous allez vous retrouver, ben, comme j'ai eu là, à devoir retourner à des endroits que vous avez déjà été inutilement. C'est pas un drame, mais c'est pas cool non plus, quoi. Ben, sur ce, on va se laisser là. On aura découvert toute la map. On a de quoi faire, on a découvert le passage aussi vers l'autre map, hein, ce qui est pas très mal, parce qu'au final, ça aurait été bien peut-être même de le découvrir avant. Après, avant d'aller sur l'autre map, on va essayer de terminer tout ce qu'il y a ici, de récupérer tous nos camions aussi, de les ramener au garage, quand les missions seront finies. Après, de toute façon, là, il faudra ouvrir. Du coup, ici, apparemment, il me semble qu'il y avait des panneaux ici. Après, on peut peut-être passer par là. Ouais, en attendant, on peut passer par là, mais ici, ah ouais, ici, c'est la grosse misère. Donc, je sais pas, ouais, passer par là, c'est pas opti. Après, on peut peut-être passer par là, dans les arbres. Ah, mais là, il y a les rochers. Bon, après, on peut traverser encore par là. Bon, il y aura toujours moyen de moyenner, en tout cas. Ah, sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, de vous abonner si c'est pas encore fait, et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!